Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous dans le SAS sous télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans un nouveau numéro mise au point ça. Là, on va retourner sous événement week-end, démission, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Annonce fait dans quatre séances d'interpellation samedi devant député EO. On a bientôt pour nous garder l'événement qui conduit à démission ça. Événement, nous connaissons 6-7 juillet et qui était la cause en pile scène de vandalisme, scène de pillage. Et puis la suite, hein. Qui ça s'appelle bon nous, qui sa perspective de Tadouillé. C'est entre autres points que parle dans l'émission jeudi avec l'ancien Premier ministre Evans Paul qui a accepté de répondre à une question télévision nationale d'Haïti matin. Monsieur le Premier ministre, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Monsieur Lindor, c'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation et de profiter de saluer les téléspectateurs qui branchaient, cap gardé, cap tendé. Parfait. Il y a l'année déjà pour se vivre, centre, vivre ensemble. Il y a l'année et qui s'en a dit comme bilan par rapport à ça ne fait. Bilan, c'est un travail interne de consolidation, de formation, parce que vivre ensemble, c'est une vision, c'est une philosophie, c'est une action tête ensemble. Et nous avons évité un comportement de propagande. Et parce que ce n'est pas tout le temps parler en pile par résultat. Nous choisissons de garder chaque secteur, nous voulons manier. Et puis pour nous assurer, nous avons manié un secteur d'activité, nous manions bien. Et nous avons privilégié la cohésion en même temps. Parce qu'en pile fois, dans l'organisation, nous avons péché par faute de cohésion, d'opinion, d'orientation. Alors, ça me capable de dire, nous étions ensemble, tout le monde qui était initié, il y a toujours là, il y a l'autre monde qui vient, et nous avons continué à approfondir l'idée de vivre ensemble pour nous voir si nous avons répandu dans toute société et pourquoi pas même au-delà du pays. Justement, il y a des gens qui ont l'impression de vivre ensemble en 60 ans, pas sortir de l'autre côté du pays. Vivre ensemble, c'est tout partout. Vivre ensemble, ce n'est pas seulement dans le pays, vivre ensemble, c'est sous planète là. Et vivre ensemble, un, ce n'est pas une organisation politique, il n'y a pas aucune ambition pour aller dans la compétition pour pouvoir. Vivre ensemble, c'est justement créer ambiance pour tout le monde accepter l'autre là. Et parce que la vie a même mandé nous pour nous vivre ensemble. Il y a un plus gros exemple de vivre ensemble. Non, c'est bon Dieu qui ban nous ni. Bon Dieu créé deux mondes. Et puis deux mondes ça y est que le créé, c'est deux mondes de sexe différents. Imaginez et l'on fait fête. Ou fait ton genre, et puis au bon l'autre monde nan différent de où m'a parlé de Adam et Eve, yon son garçon, yon son femme, et voilà que yon pral indispensable pour l'autre. Alors ça, ou pensez qui pas semble là, c'est complémentarité ou, et c'est ça nous voulons faire passer comme idée. C'est plus la philosophie, l'acceptation, la discipline du vivre ensemble. Par exemple, sécurité routière ou bien circulation, je toujours prendre un exemple ça, c'est l'imander en discipline du vivre ensemble. Nous sommes vivre football là. Football là, c'était vivre ensemble. Ou bien fair play, des fois, jouer à frappe pour l'autre, lui faire l'excuse, ou bien, les joueurs tomber, les remettre l'autre équipe là-bas loin parce que l'équipe là était campée pour y'a jouer à soin. Nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, nous surtout besoin de vivre ensemble. Non, pas parce que nous toutes ces mêmes, pas parce que nous y'en remet l'autre, mais parce que nous tous concernés par Haïti et nous tous gagnons responsabilité pour yon corré l'autre pour nous faire force nous collectivement. Son société, M. Paul, qui est très polarisée et qui est marquée par une certaine culture d'intolérance, nous pas toujours accepter l'autre là, nous pas toujours d'accord l'autre là différent de nous. Pendant un an, nous là, qui ça nous croit concrètement, ça vivant, ça nous veut changer par rapport à ça, M. Dila? Non, l'étape trop facile pour nous dire dans un an, nous qui veut changer nos mentalités. Il faut commencer à faire quelque chose, nous pas une prétention que nous pourrions changer radicalement, mais nous pensons que tout bagaille commence, du fait pour le commencer petit petit, il faut que nous ne battons pas l'estomac. D'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui venons avec l'idée de vivre ensemble. Il y a un pile de monde qui t'a parlé de vivre ensemble bien avant. Il y a un monde tant que Martin Luther King qui mourit, ça a plus que 50 ans, il était une phrase célèbre. Il dit que nous gagnons pour nous choisir vivre ensemble ou bien nous choisir mourir et graine par graine tant qu'on est idiot.
Alors, il y a un paquet de messages qui a baillé depuis l'humanité a commencé, qui montrait que vivre ensemble, c'est la meilleure des philosophies, et vivre ensemble, c'est indispensable pour nous dynamiser la société. N'a pas fait émission là. Et bien, il y a un ensemble de monde qui est impliqué. Depuis le monde qui a ouvert barrière pour m'entrer, passer par le monde qui a fait maquillage, passer par tout technicien qui a fait tout travail et technique pour rendre l'émission ça possible. Et bien, c'est le vivre ensemble. Et vivre ensemble dans l'aller tout auprès de téléspectateurs, au monde qui est d'accord, au monde qui n'est pas d'accord, au monde qui combat à la pas prendre, au monde qui combat à la jeter. Et bien, c'est ça pour nous apprendre. Je vous ai parlé là, la tolérance était un élément fondamental. Et là, nous dit tolérance, ça ne parle pas de sitirance, parce que nous faisons un petit jeu de mots créole, parce que dans le pays d'Haïti, il y a des gens qui pensent que tolérance, là, veut dire qu'on fait ça, on veut. Non, tolérance, là, on veut dire, on accepte l'autre là, mais chaque monde connaît aucun limite, liberté pas ou fini, côté pas l'autre là, commencer. Là, maintenant, même si nous n'arrivons pas à changer, ça n'y est là, mais nous devons diagnostiquer pour voir qui ça fait Haïtien, pas qu'à entendre ou la clotte, pour ne serait-ce pour faire payer à marcher, par exemple. Moi-même, pas voulais aller de manière aussi dramatique pour me dire Haïtien, pas entendre avec l'autre. Non, nous sommes société du vivre ensemble. Ah bon? Oui. Gagner quelques éléments dans la société qui le vendent et qui posent des actes effrayants. Mais soit aller dans le fond pays, c'est le vivre ensemble. Et là, on cas en dehors. Eh bien, on a coutrel qui pétait. Eh bien, tout le monde rassemblé. Si son fils pour l'accoucher, accouchement pas qu'à fête. Gon moun ki démonter porte kayli, c'est moun ki pas ambulance, c'est moun yo yon courir l'autre yon poté, yon prend la relève pour mener le non centre mettre dans l'hôpital, nous connaissons comment situation est. Là gon rel qui pété gon lambo. Mais c'est tout moun, ça a porté tasse, ça a porté goudé, ça a porté chaise, ça a porté drap. C'est comme ça le fait et fait le phénomène combit qui gagne. Parce que des fois gen moun ki wè société a yo limité à sa cap passer dans ville, manifestation moun kap jouer moun. Mais gen des côtés moun yo vivent ensemble. Moun yo se rekote ensemble. D'ailleurs, longtemps, on moun ap vann, l'ap vann au boutel, pas de besoin, pas de formalité, li mette 4 piquettes, li di pati ça c'est pour ou, et li bayon bœuf ou bien bayon kob en échange, parce que te gwan terman te fait, et bien de génération en génération, li pral respecte plus tard. Ou venu jwenn l'autre monde qui pensait yo pi éclairé et qui gran pi l'ambition calme était zizani gen des familles qui viennent diviser mais c'est monde qui pi konn li yo parfois et c'est pas dit pour monde pas gen connaissance non mais gen des fois connaissance la vienne desservir base là par exemple yo monde qui sont avocat li sorti non communauté paysanne et puis c'est lui même qui pral utiliser ça le t'apprendre pour persécuter monde pour entrer dans division pour terre etc. mais soit les naïs sans société à gens nous vivre et moi vivre dans des milieux modestes et moi connais comment ça qu'on fait et les moun yo fait manger faut plat manger à jeune voisin à jeune voisine et moun yo partager ça yo gagner et jusqu'à présent puis faut haïtien vivre de l'autre haïtien parce que on société qui plus que 50% moun qui dans chômage là dedans comment l'autre yo vivre c'est parce que gen solidarité et solidarité moun qui l'autre bord k'ap voyé chocho a boy cité gen des moun k'ap vivre l'autre bord et bien puis gros souci c'est voyez comme by famille by zambil en Haïti esprit vivre ensemble la fin pas quoi na zéro gen des événements qui gen droit décourager nous qui pensent nous sont bon monde insensé gagner quelques monde qui gen comportement insensé mais fondamentalement nous sont société qui te chita sous vivre ensemble et Dessalines nous te prendre indépendance pays a dit depuis un monde pas même haïtien depuis un monde pile était ça li gen liberté et yon acte de vivre ensemble qui va le conduire à la molle li pas vle que gon seul petit groupe monde parce que c'est gros chef dans la mer qui prend toute terre gagner tout pour vivre ensemble nan consolider problème disparité sociale la distance qui gagne entre monde qui gagne ak moun ki nan misère li trop faut nous résoudre problème ça mais en même temps faut ne pas détruire ça moun te gagne.
C'est comme ça, moi, pour la question. Parfait. Là, maintenant, qui sa perspective est pour se vivre? Perspective, c'est continuer à brasser l'idée, continuer à former le monde. Et puis, pour nous faire des actions qui pourraient avoir un impact dans la société, mais il faut se préparer. C'est comme un match de football. C'est pas comme ça, ouais. On joue, arrive, il monte terrain, puis il fait mon content, il fait goal, il calme le match, ou bien arrive champion. Et il prend temps. Lors on jazz, sur ton musique, ou bien on troupe théâtre, font bel spectacle, moun bat bravo. Bon temps de travail de coulisses. Il faut se préparer pour n'importe ce qu'on fait, pour performant, pour attirer moun, pour le bail résultat. Faut nous pas penser tout bagaille, qu'on chaud cuite, pour nous bouillir vidé. Alors, en ce sens, dans ces vives-là, nous choisissons pour un recul. Nous pensons que problème pays a lié, urgence là-dedans, mais surtout un problème structurel. Pour nous veiller dans ce qu'on a fait, pour pita papitris, il faut nous prendre le temps pour analyser le problème et pour contribuer à apporter des solutions durables. Je vous souhaite une longue vie assez vive. Merci beaucoup. Là maintenant, on a chaviré dans 6 à 7, 8 juillet, vous êtes dans le pays, vous devez passer dans la rue après augmentation du prix et gaz dans le pompio. C'était prévisible selon vous? C'était prévisible parce que tu as une tension qui a monté. Et tes contentions qui ont monté, et le gouvernement t'a annoncé, l'y obligé à monter le gaz là, il t'a expliqué pour qui ça, l'État a manqué à gagner, il y a un problème pour ressources pour compléter le budget là. Et moi, je connais une pression organisation internationale qui t'a dit que faut l'État haïtien suspendre et financer gaz dans la machine monde qui gagne cob et faut suspendre financer EDH, faut que moun yo paye courant, etc. Parce que l'EDH coûte à l'État haïtien environ 200 à 250 millions de dollars par année. Et puis l'État haïtien gon ti chocho li mette sous gaz là. Les subventionner, ça veut dire que gaz là t'a cap vendre plus cher, mais pour lui on ti gens absorber pria li gon ti bagay li mette qui crée un trou dans le budget. Ça c'est les raisons qui te justifié ça. Alors là on peut entrer dans un choix côté c'est les considérations académiques qui pral et dominé. Ça moi les considérations académiques là, l'on moun wap fait yon budget ou besoin considérer deux colonnes, faut deux colonnes ça yo balancer. Ou dou besoin sans goudre et ou lister qui sont pral faire sans goudre là, mais faut joindre tout qui côté wap joindre sans goudre là. Et c'est ça qui budget a même. Budget a faut ba ministère de l'agriculture encore, ministère de santé encore. L'on fin fait toute liste quoi pour besoin et bien faut regarder qui côté pral joindre financement. Et c'est ça qui va expliquer créer taxes à droite à gauche etc. C'est le côté académique. Mais gagner pour faire travail académique ça, il y a un réflexe politique fondamental. Faut qu'on ait dans qui société on vit. Et grand pile pays côté yo ajuster prix gaz là selon prix pétrole là sur marché international là. Même pays à côté nous là, en République Dominicaine, il y aurait ajusté à la hausse ou à la baisse de temps en temps. Même un gros pays, tant qu'aux États-Unis, c'est là où on arrive dans le pompe là, il y aurait pris à. Vous voyez, des fois, donc, pompe à un lot, prix au compte pas même, gagne plusieurs qualités de gaz tout, chaque compte a un prix différent. Bon, maintenant, dans la réalité, nous, dans le pays d'Haïti, gaz là, ils sont produits transversal. Dès que pour manger gaz là, ou manger transport en commun, ou manger tout le bagage qui a marché dans le pays. Ya, et comme nous sommes pays où la majorité de monde pauvre, li affecte fondamentalement la majorité de monde qui est pauvre. Et c'est ça qui fait tout le monde chaud depuis autant de gaz monté parce que les ça, c'est budget, maman, papa, petit, qui vient pour vous l'école le matin, parce que budget, motocyclette, ou prendre un camionnette, ou prendre un monté. Et Livin créé un bouleverse. Et c'est raison ça que fait depuis longtemps l'État haïtien toujours absorbé quoi. Et dans le contexte ça, moi pense personnellement et décision t'es mal réfléchi ou bien stratégie pour appliquer là les pas d'aplomb. Et moi-même moi pense que yo capable obligé faire l'on leur. Mais là pour faire là, faut faire effort pour que les gens qui ont plus de revenus dans le pays. La question du prix de gaz est cher, c'est une question de revenus. Tout ça n'a pas de coût pour lui, trop cher. Vous comprenez? Alors, c'est quoi ça pour poser? Il y a des gens qui disent que c'est un moment qui n'est pas opportun. Un moment qui n'est pas opportun, mais une stratégie n'est pas bonne. Par exemple,
Si l'État haïtien t'étend marée parce que il y a longtemps depuis pour ton subvention à gaz là. Il était marée yo veillé tant l'aile font descendre son marché international là. Et puis là ça redescend. Il dit bon, voilà gaz là font descendre, nous descend. Et comme on loi en 1995 qui dit l'État haïtien capable ajuster prix à la hausse ou à la baisse, ça veut dire capable de venir picher au prix bas selon prix le vendre sur le marché international. C'est même pareil pour tout produit, pour du riz, pour lait, etc. C'est ou acheter, en fonction de combien de couteaux là, ou pas décider combien on va vendre. Eh bien, si vous avez fait stratégie, tant l'LBC pour vous baisser, eh bien, vous êtes capable de plus facile pour peuple là, population habituée avec exercice monter descendre. Mais comme c'est l'aile montée, et puis la quantité d'argent, tout était mis son seul galon, et en même temps, 89 gouttes, 95 gouttes. Voilà, je pensais que c'était exagéré. Mm-hmm. C'était exagéré dans un contexte économique aussi difficile. Parfait. Dans samedi, vous êtes accordé une nouvelle liste, une entrevue. Oui. C'est un premier monde qui a annoncé le président Jovenel Moïse pour parler dans soi et il est d'accord pour faire bac sur. Sous ce mesure-là, qui sa motivation à intervention, sa motivation à intervention? Bon, moi-même, je pense que la vie, il y a un bac avant. Et ça fait, quel que soit le véhicule qui gagne, à l'exception d'avion qui n'a pas fait bac, les lap volé, mais il a fait coube, et tout bagaille dans la vie, il y a avant, il y a un bac, l'op en mesure, ou bien sûr, on va tomber dans une falaise. Ou pas fait pour continuer à peser accélérateur. Jean Bagay la tape patia, gouvernement n'a pas de l'autre choix que faire bac sous mesure. Moi-même, moi j'étais tombé dans une expérience comme ça en mars 2015, l'MT Premier ministre a gagné des décisions qui te prennent justement pour équilibrer le budget. Je suis obligé de faire une déclaration pour faire bac sous yo parce que la population était mal accueillie, que le patap a appliqué. Et bien, l'homme garde Jean Bagay la passé vendredi soir et puis bon. Et samedi matin, moi j'ai fait le devoir de communiquer, d'évaluer ce qui a passé et parler avec l'autorité. Et c'est très difficile. Les gouvernements ont pouvoir faire une bonne décision quelques heures après pour le faire back sous lui, mais il y a des choix ou bien pour faire, faut faire là pour faire là. Et moi bien content que le président Jovenel Moïse ait accepté de faire bac et de demander au gouvernement de faire bac. Et le gouvernement finalement a fait bac là. Et l'MT, ouais, j'ai envie de tester ce bagage-là pour aller, je suis obligé de faire un père. Et t'es annoncé ça publiquement, parce que, en général, gain d'influence ou capable de jouer dans les coulisses, et surtout si vous parlez à un chef, c'est lui qui a pris une décision, ou pas fait pour doubler, pour courir à l'annoncer ça, parce que je ne suis pas porte-parole au gouvernement. Même tu as choisi de parler avec Radio Métropole et Nouvelle Liste, pour justement, population, te connaît. Et il y a un effort qu'a fait pour que la mesure annulée et que pour que laisser frapper, croiser, briser, à pas de continuer. Je vais parler de monde qui est très madrid en politique. Et mouvement week-end passé, c'est un mouvement spontané selon vous ou bien tu as gagné des mecs qui ont manipulé? Je pense que c'est les deux. Tu as gagné une situation qui provoque une colère et il y a l'autre monde qui exploite la colère. Et ou ouais, par exemple, il y a un monde qui mourit la caillou. N'a pas les pieds comme ça. Et après là moi bah comme ça et puis il y a monde qui vient consoler. Il y a des monde qui vient consoler tout bon parce que on prend la peine mais il y a monde qui veut tout vide pour ramasser son rien. C'est donc en France, équipe la champion, il y a monde qui content mais il y a monde qui casse magasin. Et il y a des monde qui profiter de la situation. Alors tu gagne une réaction spontanée parce que peuple là pas content et puis tu as une préparation de l'opinion contre mesure à gouvernement pas évaluer ça mais il y a l'autre monde tout qui profiter entrer en scène et parce que il y a des bagarres moi ouais c'est première fois moi yo mais c'est première fois me te ouais autant de monde armé cap tirer dans un événement impopulaire. Deux, c'est première fois moi tu as une chaîne à cadenas pour barrer route, gain barrière, gain une mise en place stratégique qui montrait que tu as une certaine préparation. Et même dans le pillage qui fait,
nous pas on peut voler des ordres de gens ou bagarre la passer. Bien sûr, gien bagarre n'a regarder dans télévision, gien des mauvaises habitudes n'a venir prendre de temps en temps, mais moi penser que gien bagarre là te paraître sophistiqué. Bien sûr, je dis à avec les moyens de communication WhatsApp, moun capable passer consigne facilement, mais font moun tati moun piti en pile pour ta dire que mouvement est spontané. Par exemple, même pillage qui fait tu et ou sont bien gardés, sont analysés ou pour gagner des familles qui étaient ciblées. C'est vrai, ils ont crasé bagaille, mais ils ont pas crasé toute bagaille parce que la plus grande victime c'est la famille Boulos, docteur Reginald Boulos en particulier que vous voyez sympathie Mbali et gagner la famille Jar ou gagner la famille Andal qui sont les familles les plus touchées. Et leur toucher Mounzaïo, soi-disant parce que c'est bourgeois, eh bien, on crée une situation terrible pour l'économie pays. Et le secteur qui le plus souffrir, c'est le secteur populaire, les gens qui sont dans le peuple. Il y a presque 700 jobs. Et Delimat dit Mounio, bon, c'est un constat. Mounzaïo est dans le chômage, mais il y a 500 jobs, il y a un impact sur environ 5000 personnes. Et puis, on va pour nous comprendre tout. Non, question bien en société gagnée. Il y a des biens privés de services publics. Par exemple, yon market sont biens privés de services publics parce que un, li gon privé qui fait, mais li rend service à public là. Yon pompe gasoline sont biens privés de services publics. Yon hôtel sont biens privés de services publics. Là par exemple pour mon non hôtel. Et puis pour gen moun kap atakil pour l'danger dans hôtel là, pas même gen la police pour porter le secours, qui message vous voyez, qui image vous voyez. Là prend Best Western par exemple, qui sont chaîne internationale. N'a pas de tourisme pays à côté nous, puis gros revenu c'est tourisme. Or nous gen plus bagaille pour nous montrer en Haïti pour faire tourisme venir. Mais là n'a pas de faire l'obéis ça yo, li pas attirer moun vinn dans pays là. Et gen des moun kap vinn dans pays, li chercher connait qui hôtel qui gagne, qui chaîne d'hôtel qui gagne non, est-ce que gon Marriott, est-ce que gon Best Western, et pour avoir licence pour mettre compagnie ça yo non pays gagne des conditions qui pour établir. Et là gagne des exemples comme ça passé, il gagne des conséquences énormes. Ou a très peu de monde qui d'accord venir investir. En plus de ça, et ou a gagné tout en situation de réticence de gros compagnies ça au bon licence là. Et il y a un autre impact très très négatif, c'est les assurances. Il y a un monde qui dit oui, assurance ça peut rembourser les gens. C'est très difficile pour assurance et rembourser les gens pour émeute. Parfait. C'est très très difficile. Mais il y a un tour, M. Paul qui brandit son frustration. Il y a à tous les niveaux dans la société ça. Vous souhaitez parler de disparité. Qui gagne, nous souhaitons parler de tout. En fait, il y a des gens qui croient que je dis à le fait que la société a et a vu une situation économique précaire, ça te favorise tout ça. Nous sommes dans la rue à côté de mecs qui ont manipulé et je vais essayer de faire une sortie tout à l'heure. Moi-même, je grandis dans le pays, il y a plus que 60 ans, il y a toujours une société de disparité. Pas de gagner. Pas de jamais une violence moi qui voulais développer qu'on y a. C'est pas une plus grave. D'ailleurs non, Mabdou. D'ailleurs il y a des bagages qui ont amélioré dans le pays a, sur le plan social. Il y a quelques petits bagages qui ont amélioré. Moun ki gen l'âge moi t'ai observé longtemps moun k'ap marcher akra déchiré sou yo akra sale kon non moun gon pantalon sou li d'ailleurs yo kon di pantalon déchiré m'ba wè ça encore même si malheureusement c'est pas industrie couture qui fait progrès c'est dans pepe n'a pas acheté rad et diaspora aidant etc. Gagnon un petit amélioration pas dit situation bon un petit amélioration maintenant. Que soit Jean, problème nan yé, c'est pas craser pour nous craser ça nous gagne. Parce que justement, il y a une disparité sociale, justement, il y a un chômage. Mais l'on craser quelques chômages qui te, et quelques emplois qui te gagne, et bien c'est compliqué ou compliqué situation. Moins quoi que mon devoir pour moun qui dans l'État, pour moun qui dans le secteur privé, brasser l'idée pour prendre décision pour créer emploi, pour garantir sécurité alimentaire,
C'est provoquer pour nous provoquer débat et ces décisions pour nous prendre, mais c'est pas laisser frapper, c'est pas décourager pour nous décourager monde qui a investi. Si une autorité qui pas bon veut les élections retirer et faut nous tout plus engagé politiquement. Moi crois que en Haïti, gain monde qui fait politique, yo concerné, yo motivé, mais yo manqué engagement. Engagement chita dans organisation, dans parti politique pour que nous connait qui orientation nous voulons bail pour tête nous. Alors je dis à moi connaît que grand problème de disparité sociale. Mais la question, est-ce que l'on fait violence ou craser ça que t'es gagné ou réduire celle-là sinon qu'on augmenter le plus. Maintenant on parle là c'est quelques familles qui étaient ciblées apparemment dans sac passé qui sont les plus grandes victimes. Mm-hmm. Pas dire ces familles ça ou seulement les plus grandes victimes. Alors quand il y a des victimes ou il y a des monde qui frappé plus c'est là ça on va demander si pas gon petit bagaille qui était téléguidé, si pas gen quelques problèmes rivalité qu'a réglé. Moi penser que et la police d'Haïti obligé faire une enquête, faire un rapport sur ce qui s'est passé parce que très souvent l'enquête se poursuit mais société a besoin d'explications pour le comprendre. Et je dis et moi crois que avec la technologie faut qu'on fait très attention lorsqu'on va faire des ordres. Il y a monde qui doit à l'étranger, qui doit en Europe avec téléphone ou est-ce ça qui a passé la caillou. Gon phénomène caméra cachée. La police gen caméra dans la rue. Depuis l'aime te fait petit temps sous pouvoir, nous te prend décision mettez que caméra dans la rue et caméra ça yo ou pas wè yo. Dans tout côté ou entrer ou al fait des autres gen caméra et là yo prend image yo qu'arrivé sous ou capable boucher trou ou capable créer une situation faut pas qu'a venir un visa dans vie ou parce que yo pour un terroriste juste parce que gen moun qui chauffe tête ou qui dou gen misère gen disparité. Oui gen disparité sociale mais faut nous chercher comment pour nous discuter pour nous résoudre problème nan et c'est pas nan craser briser c'est pas nan fait ça que la loi condamné c'est pas nan craser propre image nous comme monde parce que image ça yo pas bon pour nous c'est pas réputation ça nous besoin nous-mêmes haïtiens et c'est pas comme ça nous t'es en vent. Est-ce que événement ça tout pas traduit en perte de confiance que population par rapport à l'élite pays a perte de confiance à tous les niveaux. Nous vivons une grave crise de société, une très grave crise de société. Mais le gros problème, c'est chita pour résoudre. Est-ce que nous allons entrer dans une dynamique d'autodestruction? Nous avons parlé de vivre ensemble dans le commencement de l'émission. Il y a un problème. Je ne dis pas que les gens qui sont dans le secteur privé sont des anges. Je ne dis pas que les gens qui font politique sont des anges. Mais quel que soit Jean Viril, ça avec même moun sa yo pour nous ranger pays a ces comportements yo pour essayer changer ces pratiques yo pour nous améliorer mais c'est pas détruire pour nous détruire l'autre parce que si nous détruisons l'autre là eh bien n'après ouais gon vide gon bagaille lité ka fait nous pas capable faire et moi même moi gagne en pile respect pour tout le monde qui investit dans pays a parce que c'est pas facile. Et là, on investit. Ça va dire c'est comme parle. Le plus souvent, les gens qui investissent, les pas même kadomi parce que il y a un souci pour payer bill banque qui sont là. Et mon café mon yon confidence. Moi, je vais en note vers 1h du matin pour me dire que je vais émission en matin. Et puis 3 minutes après, qui moun qui répond moi, c'est docteur Reginald Boulos. Et puis, pour le dire, ah, ok, m'a branché. Et puis maintenant, on me dit, laisse-moi beaucoup dormir. Et puis, il me dit, monsieur, bonne nuit. Il dit, non, c'est vous-même qui commencez. Il était 1h du matin. J'ai laissé à monsieur commencer le travail. Et bon, chaque monde a sa capoté dans le pays. Et je pense que faut nous apprendre à apprécier la qualité de l'autre. Question de raïssement, ça moun gagne, etc. Ce n'est pas sur la base de détruire ça moun gagne. C'est sur la base pour nous yon contribuer pour faire une meilleure image du pays. Pour chaque monde chercher la meilleure formation possible pour nous performer en activité nap mené. Que un monde député parrain mais Jean Géré mandat tant les élections a changé le mon pas doit agresser lui et puis moi crois que grand effort pour nous faire grand effort pour nous faire ça passe 6 7 juillet pas que personne monde qui ca battre l'estomac pour dire de faire pas que personne monde qui camper derrière pas que personne monde qui revendique c'est parce que le pas bon. Mm-hmm. S'il tombe belle bagaille après tout le monde disait que tu fais et bien si on bagaille l'aide nous pas
qu'une raison pour nous continuer là-dedans. C'est ça, mais mon tour, Monsieur Paul qui est inquiet, parce que dit depuis quelque temps, une culture de la haine, une promotion de la haine qu'a faite dans le pays, et même à travers les médias, en pile fois, mon avoué tout à une sur l'autre, ou bien l'impression que mon parrain met l'autre là parce qu'il fait ça, ou bien il ne fait pas ça, ou bien il vient ça, parce qu'il ne fait pas ça. Alors, ça a tout fait en pile, mon dit, mais si ça privé arrive, Jean Rivière, est-ce que ne pas t'a doué, je dis à prendre disposition que ça a demandé pour que Pita papitrice? Disposition pour ça amender et mais gagner tout million travail d'éducation qui doit être fait gagner tout pour chaque monde ouais tête yo dans société. Très souvent il y a des monde qui font débat qui dit gagner monde qui barre yo. Moi je pense que monde pas barre monde. Je pense nous chaque capable bailler tête nous une place dans société. Moi par exemple football là. Ouais, dans le football, l'entraîneur a mis un joueur souterrain. C'est vous-même qui pouvez qu'un tête souterrain par rapport à la performance. L'entraîneur doit filmer tout souterrain, mais il n'y a pas qu'un beau souterrain parce que vous avez fait fly, vous avez fouté deux autres, vous avez fait mauvais passe, etc. Et bien, c'est le même bagage là. En société, il est dynamique et c'est contribution chaque monde. Ou même, vous avez toute expérience dans la télévision nationale. Mais c'est pour un cadeau. Chaque yo paye chaque mois ou travaille pour lui faut lever bonnet pour arriver là dans télévision avant 8h du matin pour recevoir Vittorio ou gon responsabilité c'est chaque monde faut chaque monde dans société a pas seulement plein dit bagaille là pas bon mais qui ça n'a fait qui bataille n'a mené et là nous gon opportunité pour nous gon responsabilité que responsabilité a petit que le gros qui j'en a fait pour nous valoriser tête nous et pour nous chercher comment pour nous faire progrès. Moi je crois que gagnons problème d'opportunité manqué opportunité qui créé dans pays a mais comportement nous gain droit et créer plus obstacle à opportunité yo, au lieu vraiment nous créer une société dynamique, une société de prospérité. Moi c'est ça me t'a souhaité, nous créons une société de prospérité, nous capables parce que nous avons un atout fondamental. Plus que 70% pays a gain moins que 35 ans. Donc on bande monde qui jeune comme ça son paquet énergie qu'a gaspiller mais on paquet énergie tout nous capables de mettre à profit. Si nous regardons à travers Caraïbes là. C'est Haïti qui dominait toute activité économique qu'a fait sur le plan touristique. Par contre, quand on allait dans Caraïbes là pour les monde qui vend tableau ou bien peinture à vendre à touristes, artisanat yo, c'est pas haïtien qui fait yo. Nous avons pile capacité pour nous produire bien sûr. La grave crise de société, la crise politique, la crise d'instabilité justement fait que nous manquons de cohésion. Pour nous faire, pour nous venir by pays, pour nous venir by nation, au-delà de frontières, nous, il y a un prestige qui pour faire nous vivre ensemble, mais pas seulement vivre ensemble, pour nous vivre bien ensemble, pour tout le monde manger, pour y'a manger, tout le monde qui a l'école, pour gagner soins de santé, pour tout le monde capable de transporter normalement, par exemple, l'eau les machines, ou craser vite machine, etc. Le plus souvent, y a pas choisi qui machine qui monde qui boule, nous pas fait machine. Et c'est des comportements nous pas capables d'encourager. C'est pas sous base ça nous pourrons faire pays à faire progrès. C'est une tâche de fixer les responsabilités après ça que passé à ça d'après. Responsabilité à combiner. Premier responsable là c'est l'État. L'un dit l'État pas dit gouvernement. L'État c'est entité qui l'a pour mener société à. Et gouvernement, c'est monde de temps en temps qui a géré l'État. Nous choisissons le système démocratique là. Ce n'est pas le système monarchie. Par contre, groupe monde qui est dans l'État en permanence. Il y a un peu de monde qui a changé de temps en temps. Mais l'État, il a pour mission pour lui orienter, pour lui garantir la vie meilleure. Bon dégradation systématique de l'environnement. Le phénomène de bidonville, et pas seulement dans Port-au-Prince, à travers le pays, dans Port-au-Prince, dans Cap-Haïtien, c'est l'un des Port-au-Prince, dans toute commune qui est dans l'environnement de Port-au-Prince, eh bien, son situation
inacceptable. Malgré ça, nous vivons 12 janvier 2010, gros catastrophe qui la cause paquet de monde mourir. Pour qui ça, tout le monde s'est mouru en Haïti? C'est par rapport à comportement, non? L'un bâti caille, nous plus bâti tombe que nous bâti caille, nous bâti n'importe comment, nous pas assurer nous d'aucun principe de sécurité, et puis nous continuer même gens, mais nous continuer parce que gagne justement une grande faiblesse de l'État qui n'a pas montré le capable de mettre l'ordre dans les autres. Premier responsable là, li ap l'État. C'est l'État justement qui pour garantir vivre ensemble entre moun qui gagne et moun qui pas gagne. Moun qui gagne yo taxé yo payé comme sous bien yo gagne sous activité commerciale y a mené, et ça c'est à travers le monde, c'est à partir de comme taxe moun qui gagne plus qui fait yo capable faire programme pour moun qui pas gagne. Mais moun qui pas gagne en tout bon petit contribution pour le bail petit coulier parce que l'État les vivent de contributions citoyennes. Alors, honnêtement, quel que soit janvier la situation, l'État, c'est premier responsable dégradation, situation de dégradation systématique que nous vivons dans tout domaine dans le pays d'Haïti. Et si nous voulons changer ça, il faut nous permettre au pays à ramasser et scampifier l'État. Moi, c'est ce qu'a fait l'État. Après l'événement, il y a eu un samedi contre le président qui a été fait dans le palais. Et il y a un dénominateur commun. C'était départ, démission, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. C'est lui, peut-être, qui était indexé comme fusible dans ce qui a passé. C'est système, parce que le Premier ministre, c'est lui-même qui a géré le gouvernement pour nous garantir stabilité et politique là, stabilité de l'État, ils font élection, ils disent président, il est élu pour 5 ans, et il est chef de l'État, il est là pour garantir le bon fonctionnement des institutions, ou pas capable chaque matin, on voit un président aller, à moins que le président décide pour tête, il dit bon, pas capable de faire démission, ou bien il pose un acte que la constitution n'a pas accepté, et puis il a fait procédure pour le parler encore. Mais à part ça, fusible politique là, c'est le Premier ministre là, qui est capable de faire 6 mois, qui a fait 1 an, qui a fait 10 ans, qui a fait 20 ans, pas de délai sous le job Premier ministre là. Parce qu'au-delà d'un président, on est capable de rester si le président dit bon. Ou t'as fait un travail, même si un président élu vini, ou t'as fait un travail, m'a renouvelé encore, s'il toujours une confiance parlement, un premier ministre, pas gagne une durée capable de faire sous pouvoir, c'est un job extrêmement fragile, son job même ingrat. Alors, dans le contexte, ça, faut gagner et y a un monde qui paye, c'est dommage qui fait dommager, comme t'es gagné dommage, faut gagner dommager. Alors, en ce sens, je pense que le long gouvernement prend une décision qui fait dégâts, ça veut dire décision pas de bon. Et le gouvernement obligé de retourner sous décision moins que 24 heures après, ça veut dire que tu as gagné un jugement qui t'a manqué bien fait. Et le ça, il faut gagner un monde qui tire la référence et il n'y a pas qu'à l'autre monde que le Premier ministre. Mais à côté du gouvernement et la police dans tout ça, il y a quelqu'un qui a relevé certaines passivités des agents de la PNH. C'est encore la responsabilité du gouvernement. Parce que ah bon? Oui, c'est le gouvernement qui a géré la police. La police, il prend l'État dans l'État. La police, là, son institution. Moi-même, je n'ai pas voté la constitution en 87, là. Et je respecte lui, puisque la majorité de mon vote lui, je n'ai pas de considération, je n'ai fait. Il me dit, moi, c'est qui même qui peut être coparti politique, nous faisons une analyse. Je n'ai pas de contradiction dans la constitution, hein, dont il vient faire de corps à mieux un pouvoir. Par exemple, pour retirer influence président longtemps, président à vie, qui était chef suprême effectif des forces armées d'Haïti, pour retirer capacité que le président est capable de décider de transférer au monde libre directement du palais national, eh bien, il a essayé pour protéger l'armée, à pas oublier. L'un a fait constitution, c'est un militaire qui a dirigé le pays, le général Henri Nanfi. Eh bien, il a fait en sorte que dans la constitution, il a pris une disposition qui vient faire un chef de la police ou bien un chef militaire, il a un mandat
personne pas moyen. C'est ça qui peut expliquer que en 1991, il y a une pile de difficultés après coup d'État pour que le président Aristide change le général Cédra. C'est une négociation parce qu'il a été nommé et puis Sénat te reconnaître pour 3 ans. Et le policier ou bien le militaire, c'est soldat. Un soldat, il est fait pour lui répondre à la mission, il gagne et il n'a pas de mandat. Si le premier ministre n'a pas de mandat, pas de mandat, pas quoi, son bagage pour corriger dans la constitution. Parce que si un chef de la police ou un chef militaire connaît que il n'a qu'à sanctionner sur place pas pour manquement à son devoir, eh bien, là, il y a l'autre réflexe que l'elle connaît, laisser même bagaille au président, laisser même bagaille au sénateur, laisser même bagaille à un député. Mais faut que politique soit responsable. Parce que faut pas chercher solution à un problème, leur créer l'autre problème. Faut que politique soit tout, pas abuser de pouvoir gagner pour humilier mon qui chef dans l'armée ou bien qui dans la police là pour essayer de faire clan etc. Faut pas faire ça non plus. Mais en même temps gon problème là, gon problème là parce que tout autant que yon moun gon espace de pouvoir li pas pour le craindre d'une sanction qu'a prendre contre lui s'il gon manquement à son devoir, eh bien li ka porter de négligence. Par exemple, ou après un député yo qu'on a prié député a pour venir travailler, prié le pour venir travailler parce que li connaît le bon mandat que la lancer en que le pas dans séance chèque l'a toujours venir, pas gain problème. Mais ou après dans télévision nationale, li ca difficile pour quitter la caillou parce que direction après l'eau a dos ça passé monsieur Lindor, il a pouvoir l'aide de blamba ou ça soit petit job. Alors depuis pas gain parce que vivre ensemble n'a pas dire une société sans sanction. Et faudrait-il que nous gain système là pour fonctionner. Gagner d'abord le sens de responsabilité, ou pas obligé gon gendarme derrière, un policier derrière, un juge derrière, cap dou ça pour faire. Gagner le sens de responsabilité pour nous développer, mais gagner tout mécanisme pour nous faire un monde faire le voile et prendre sanction contre lui, elle pas fait le bien. Alors problème police là, gagner deux bagages là-dedans. Et un, il y a le système, deux, il y a les contradictions. Et en dans système nan rivalité entre chef police et pouvoir, pas de gen mode bagay sa yo. Alors me pensais que police là te paraît très pâle et dans la rue et c'est très négatif pour société a, et parce que ça a perdu raison d'être li si les moun en danger yo pas joine pour protéger, parce que mission essentielle li c'est protéger et servir. Nous pas de faire politique à police là, faudrait-il que vous bal des moyens et formation, moyens matériels pour faire travailler et que autorité qui gagne responsabilité de gérer la police là, que toujours évaluer en permanence capacité pour répondre à besoin de la population. Malgré nous demander pour démission, mais il était décidé de descendre en bas, dans le Parlement, dans la Chambre députée, dans 4 séances d'interpellation. Vous estimez son bon choix ou même quitter dans la primature? Bon. L'État a un bon choix. L'État a un bon choix. Parce que l'essentiel, il faut nous dire qu'il y a des missions. L'État a un bon choix. Parce que, vous connaissez, gagne un côté personnel, côté prestige, côté orgueil, ou t'es un poste de responsabilité. Puis au matin, tout le monde doit aller. C'est comme si on n'est pas devenu grand rien. Bon. Mais le job là, c'est qu'on s'allie. Le Premier ministre a choisi de descendre en bas. Ça te fait déjà. Le Premier ministre Wenis Mat, Madame Pierre-Louis, ils font un geste comme ça, ils ont interpellé, et ils descendent l'interpellation, mais ils n'ont pas quitté le vote, la fête, ils font un discours. Wenis Mat, ils font un discours. Je pense que vous êtes capable de faire un discours, et un discours bilan, ce que M. Lafontaine a tenté de faire. Mais comme les sont monde qui n'ont pas communiqué trop bien, et li à l'empêtrer tête li nan di de bagay pou le pas dit, parce que au grand fond discours la parole sont à ma double tranchant. Li capable voyo monter comme ça le ka condamné, tout faut mesurer chaque mot prononcé, et c'est l'ensemble des mots qui fait force message là. Alors message li a
et t'es mal passé, t'es grand pile contradiction, elle parlait d'un petit paysan et qui vivait dans tête pouvoir et que ces paysans ça va l'aider et si c'est un monde petit on veut ou un monde qui scoff, lui va la péder. C'est un message très négatif et parce que nous non système démocratique n'importe monde a droit pour arriver dans gouvernance pays a que le paysan petit paysan que le monde Pétionville Kinskoff là et elle dit Pétionville Kinskoff li pa parler de Kinskoff Pétionville par rapport à côté au situé sur le plan géographique mais elle voulait faire référence à une catégorie sociale dans pays a mais très souvent moun yo chita son contentieux historique rivalité ou dit que gagné entre Dessalines et Pétion Dessalines qui était mula Dessalines qui ton nègre Pétion qui ton mulat et que c'est ça qui a continué jusqu'à présent moun Pétion moun Dessalines jusqu'à ce que t'étendez à un moment gen moun qui dit Dessalines va visiter Pétion comme si Pétionville son côté affaire moun bon mon Pétionville gen plus moun pauvre que mon affaire bon là dans plein bidonville tout partout dans Pétionville là je pense que ce type de discours yo inapproprié et sur le plan historique tout faut moun yo songer là a assassiné Dessalines sous pont rouge l'histoire rappelé que il demandait secours à yon moun c'était le colonel Charlotin Macadieu qui tombe là et si après des années yo te lagué Dessalines mon trou derrière l'église Saint-Anne après des années au final faire mausolée sous pont rouge là et ben jusqu'à présent gon petit homme Charlotin Macadieu qui n'ont pas enragé moi pense que 17 octobre chaque année faut rendre hommage tout à Charlotin Macadieu qui t'est volé au secours de l'empereur et ce type de référence historique ça yo qui a constitué un message de vivre ensemble pour yon respecter l'autre parce que nous sommes société de diversité Haïti ya. Nous avons toute qualité moun là-dedans m'abdou très souvent moi voyager et puis mon moun k'ap gade makasi en k'ap insistance mais moi moun son blanc lié et puis ah bonjour monsieur Paul ou qu'on saisit dans immigration américaine très souvent mal devant officier immigration et puis moi son blanc et puis dit ah mon cher capé comment il a nous sommes peuple qui par contre en Haïti a li pousser racine tout côté nous avons toute qualité monde là-dedans et c'est ça qui fait force nous et ces ancêtres nous justement qui te vle pays a fait comme ça bon gain origine sociale nous puis fort nous sont en Afrique mais nous gain des monde tout qui sont en Europe et nous gain blanc pan yo qui était dans pays a nous gain français qui était dans pays a seule race qui disparaît totalement c'est mon indigène, malheureusement. Mais moi, je pense que faut nous apprendre à tolérer l'autre et pour nous suspendre, voyez, message haine, message de division qui a affaibli nous au lieu de renforcer nous. Vous qualifiez des décisions prémissantes d'un geste d'amour. Oui. Pour qui ça, selon vous, son geste d'amour? Parce que, pas pour confrontation. Oui, ouais, c'est en cela, il était capable. Produit et faire contraire. Au lieu de consolider la démocratie, tu as une vieille parole qui a parlé, et puis maintenant, qui soulevait le peuple encore, et, ou pas, j'aime qu'on ait voté qu'à fête, et puis député vote en faveur du premier ministre, population n'a pas voulu ça. Parce que, il y a des fois dans la politique, c'est pas une simple question de majorité, je veux même t'expliquer, l'homme du premier ministre, son équation à plusieurs P, c'est sûr que l'irrédévable au palais, à la présidence, au parlement, tous ces sont des mots commencés par P. Mais il faut tenir compte de la population qui sont l'autre P, de la presse qui sont l'autre P. C'est la réalité. Alors, moi-même, je crains que nous avons une séance qui mette confusion. Et comme le contexte l'a demandé pour M. Jacques de la Fontaine bail démission, que le bail tranquillement. Mais par contre, le fait que le bail démission, quand même, il n'y a pas qu'il y ait un débat fait. Les pas quitter bagarre l'arrivée non vote moi pensais que c'était acceptable et ça m'a découragé pour bailler démission parce que c'est volontairement bailler démission personne pas forcer au bailler démission ou bien il était en vote là qui voulait aller c'était bien nous devons souligner ça et ça fait moi ça un geste d'amour parce qu'il était capable de persister dans la confrontation que je pas souhaité du tout dans le moment ça qui s'approche de l'étape aujourd'hui là et monsieur Paul. Prochaine étape, c'est l'État. C'est l'État pour nous qui ça a fait pour l'État gagner plus prestige, pour l'État arriver jouer rôle.
yo di l'État, c'est nous tous, oui, c'est nous tous, mais il y a des gens en particulier qui ont responsabilité pour gérer l'État, et président, premier ministre, ministre, l'autre monde, tout qui est dans la société, même si on n'a pas un rôle dans l'État, mais qui a une influence dans la société. Et bien, je dis, je pense que le président a commencé consultation pour monter un autre gouvernement. Mais ce n'est pas monter l'autre gouvernement qui est plus important, c'est qui mission gouvernement ça a gagné. Parce que pas quand tout le monde dans le gouvernement, il a toujours limité le nombre de monde qui prennent dans le gouvernement. Et puis, il n'y a pas concerné par formation gouvernement, mais tout le monde concerné par ZAC gouvernement pour le poser. Je dis à me penser que la question de sécurité publique était une question fondamentale. Sécurité, la vie avec bien monde, sécurité foncière, ou question de marché pour un tel monde, faut pas ça suspendre. Et parce que tout en n'a pas garanti droit à propriété privée, eh bien, on va créer plus pauvreté, on va créer fuite et capital. Les gens qui ont cobli, ils ne peuvent pas quitter le pays, ils ne peuvent pas faire bien dans le pays, ils ne peuvent pas faire de l'autre côté. Et ça, c'est un bagage fondamental. La question de sécurité, renforcer le système sécuritaire. Et sécurité, ce n'est pas plus armes, plus policiers. C'est plus action sociale qui améliore les conditions de la vie dans le pays. De notre côté, misère. Seuls gens pour moun vivre avec dignité, il faut gagner revenu. Pour gagner revenu, il faut travailler. Eh bien, il faut gagner une volonté qui dégage, bon côté l'État, en connexion avec les gens qui ont investi dans le pays, pour nous créer des jobs, pour moun yo gagner un corps, pour vivre avec dignité. Et dans l'autre domaine, que nous pas négliger du tout, c'est la question de sécurité alimentaire. Pour moun à l'école, pour le travail, pour l'exister comme moun pour le même temps de, ça n'a pas dit là, faut li manger. Moi, je crois que l'État haïtien, Douéchita, avec les hommes d'affaires, pour garder si nous avons agi sur quelques produits de première nécessité, sucre, du riz, etc. L'État n'a pas qu'à fixer le prix, non? Mais il est capable d'influencer le prix. Et si nous faisons consensus sur 3 ou 4 produits de première nécessité, l'État est capable de mettre d'accord avec les gens qui importent produits ça, puisque nous ne produisons pas en pile dans le pays. Et l'État est d'accord de baisser les taxes, qui a un impact sur le budget, mais qui bénéfique à une large portion de la population. Et puis, nous demandons à tous de faire baisser les profits. Juste pour nous faire peuple avec nos bagailles. Parce que, quel que soit le gouvernement qui pourrait monter là, il n'y a pas de travail tout le monde dans le pays à job, mais il y a une décision qu'il prend qui est capable d'avoir un impact positif sur la vie de nous, dont une décision qui allait dans le sens de promouvoir une politique de sécurité alimentaire, ça veut dire une possibilité pour nous manger plus facile. Pour PostPM, je dis à Hans Paul, c'est à dire que nous avons deux présidents, un secteur privé, une société civile, une classe politique là. Qui a fait le job là? Regardez ça, il y a comme réalité sociale, réalité politique, réalité économique. Ce n'est pas qui côté nous avons sorti, c'est qualité nous avons. Parce que nous avons un droit de deux présidents, nous avons un droit en face président. Il faut le monde qui avec réalité, il faut le monde qui a. Gen dépassement, fòl son moun ki pa pè afonte la réalité, fòl son moun ki capable provoquer débat dans conseil de gouvernement, dans conseil des ministres, parce que très souvent ministre pè ba opinion yo. Bon moun ki konn pi pè parler dans pays a c'est moun ki ministre, parce que moun nan ministre li pa ba opinion pour président fâché, pour premier ministre fâché. Il y a des fois li gen donné yo, le pa ba donné yo parce que chef la catégorie opinion le bail. Bon, chef on ménager poste là. Je pense que yon moun ki ministre, yon moun ki premier ministre, et faut pas prendre tête li pour un jobé. Faut le considérer comme un missionnaire, et faut que son monde qui gagne en pile courage, le courage pour nous affronter la réalité, le courage pour nous discuter de vérité. Ou par exemple, question prix et gaz, là j'en fait l'autre jour. Moi, je crois que la grande majorité des ministres pas d'accord, mais peut-être que tout est rallié à décision dans le conseil des ministres sans faire débat. Soutamment de 1 minute de ça qui est passé dans le conseil des ministres côté prendre décision, ou capable pas grand pile ministre qui débat en position contraire, mais si vous parlez avec eux en privé, vous avez dit que vous n'êtes pas bon.
Je pense que le courage de décider son monde pas gagner ou pas prendre job ni premier ministre ni président ni ministre. Qui va le passer parlement à de jouer aujourd'hui pour permettre que nous allions plus vite dans monter nouveau gouvernement. Mais faut parlement à tracer son ligne. Premièrement, qui respecte ça qui n'a. Et deuxièmement, qui privilégie priorité qui exprime la population en tenant compte de ça qui est passé 6-7 juillet. Et puis, fort parlement a transcendé pour parlementaires moins influencer décision yo non logique de consolidation personnelle. Moi-même, moi connais situation difficile parlementaire parce que les mon parlementaire jodia faut l'occuper de fantôme de voir ti moun l'école pression sous lui à cause de pression ça yo l'a fait pression toi droite à gauche pour lui joindre de quoi pour lui répondre à exigence moun ki voye l nan parlement a fait. Il y a des gens qui disent que c'est bagaille personnel. Bon, il y a des gens qui personnel tout. Mais je dis à prendre responsabilité pour venir parlementaire, pour venir magistrat, sans qu'aucune responsabilité. Si vous ne mettez pas garçon sous peur, vivre pression, eh bien, ou pas prendre job ça. Maintenant, comment faire face à la situation? Ça, parce que justement, l'offre fait politique, c'est pour faire face à des problèmes de société. Il faut parlement arriver à bah, tête une meilleure image dans la société. Ya. Et meilleure image, ça, l'a existé en fonction de comment ils ont choisi les gens qui prennent le pouvoir. Parce que très souvent, le président est obligé de consulter, ils ont influencé des choix qui conchita sur simple relation personnelle, ils ont négligé le côté notable. Ça, c'est le notable là. Ou besoin de gens qui ont une notoriété. Faut l'on moun ministre l'el parler, li gon passé, li gon écho, li gagnen une certaine influence dans société a qui ka fè le poton bagay comme image. Nous besoin un gouvernement d'image et c'est très important pour que yo pa choisi moun parce que seulement li gon relation proximité avec moun qui gagne pouvoir mettre le nan poste là mais pour li gagne capacité et le bénéficier c'est un respect et dans le pays il y a pas grand monde qui fait unanimité mais il y a des monde qui capable porter plus par rapport à ça il représente dans la société. Si genre quoi le président républicain est capable de tirer leçon de l'expérience qu'il fait avec Jean-Guy Lafontaine, le choix il va le faire là pour le premier ministre et qui t'a aidé gouvernement que le bras monté à répondre beaucoup plus à tant de population. Et bien politique façon monde politique façon mais si c'était façon monde politique. Parce que politique là, les mettez en contact avec réalité. Ou on monde habitué faire réunion politique, qui était dans parti politique, toujours des contradictions, toujours des contestations. Les habitués gérer les difficultés, l'habitué gérer les controverses et les capables plus ou moins à l'écoute de tout son cap sorti dans la population. Il y a des gens qui ont réflexe, puisque nous avons fait longtemps dans la dictature, les gens arrivés dans le poste commandant, ils pensaient au service de chef qui mettait là. Moi, je pensais surtout au service de la communauté et bien sûr à l'écoute de chef qui mettait là. C'est ça que je pensais que les gens qui jouent un rôle important, ils doivent faire la différence entre loyauté, honnêteté et obéissance. Je pense qu'il faut loyal. Il faut loyal à moun qui a autorité metto là. Il faut loyal à pays. Il faut loyal à peuple là. Et il faut honnête dans ce qu'on dit. Mais on n'est pas toujours obéissant. Parce que l'obéissance, c'est quoi? Bon, sorte d'obéissance passive qui est négative pour faire un pays avancer. Donc, on a un monde qui dit oui dans toutes circonstances. Même s'il dit oui en contradiction avec propre conviction. Yon moun ki ministre, faut le faire preuve de conviction. Yon premier ministre, yon ministre, c'est premier conseiller président. Dans le conseil des ministres, faut dire ça ou penser. Même si ça a coûté au poste là, faut créer culture de débat ça. Ouais, dans le parlement, il y a un débat quand même. C'est parce que par un monde qui a évoqué mon parlement.
pour capable gagner débat. Mais dans le conseil des ministres, on n'a plus à ménager poste au lieu qu'il fait travail et que société attend de l'IA. Je pense que faut que président, premier ministre créer ambiance dans tout, développer réflexe de tolérance là qui pour faire débat au fait et que nous arriver maîtriser et action qui doit faire pour peuple là, pour pays là. Vous insistez sur le monde politique qui doit avoir une poste là, mais est-ce que son monde qui forcément lié à famille président et famille politique président Jovenel Moïse ou bien un monde qui peut-être n'est pas même d'accord avec lui par exemple? Faut qu'on ait une compétence politique. Faut qu'il y ait une compétence politique, bien sûr. Bon, la Constitution dit qu'il y a pour choisir. Non, c'est le président qui a choisi en consultation avec le président de Chamio. Et il y a un élément fondamental, faut qu'on ait capable de une majorité qui a voté pour lui. C'est ça qui fait qu'il y ait une consultation. Bon, on est capable de dire pour l'autre monde, mais si l'autre monde ça n'a pas arrivé, il y a une adhésion. Et majorité moun nan parlement et bien pas passé. Moi-même moi pas fait aucune discrimination et ouais moi insister sur ça. L'un dit un gouvernement d'ouverture, c'est moun yo qui pour gagner l'esprit ouvert. C'est pas forcément pour prendre moun qui pas capable connecter on ak l'autre. Malgré me saute dit faut gagner débat, mais faut pas gagner un gouvernement de confrontation tout, un gouvernement de zizanie côté personne pas entendu à personne, parce que pas oublier gouvernement faut une certaine cohésion, faut le développer une ambiance de solidarité. Moi même pas t'apprel et dit dans qui secteur moun nan sorti, moi plutôt ouais qualité moun nan quel que soit côté le te sorti a, faut qu'on ait li au service du pays. Si c'est côté président sorti, s'il ka convaincre reste moun nan société a, meilleure façon pour le convaincre c'est Jean Libral et mener question. Par exemple, moi pense que yon premier ministre tankou Jacques Guy Lafontaine te privilégié relation avec président et sur tout l'autre. Moi pense ou pas qu'un premier ministre soit pas maintenu bonne relation à président, soit pas développer loyauté à président et soit pas respecter président, c'est normal, mais faut un courage pour aider président. Ouais, ça lui même lui pas gain temps, ouais, parce que même ou a gérer réalité pouvoir ou pas administrer pays au quotidien. Président on ti gens au-dessus de la mêlée, temps en temps c'est au même qui pour ta briefer li pour essayer orienter opinion li sous décision qu'a pris pour prendre, même sous pas qu'a prendre décision sans li. Là on gouvernement qui quitter les affaires courantes et l'école pas trop loin l'ouvrir et gain budget à la tout qui t'a doué remanier. Combien de temps quoi président de bail tête là pour mettre le d'accord pour former un gouvernement? On pas mal aventurer me sous bail délai parce que c'est très dangereux. Ça qui plus important c'est faire travail là bien ou prendre des chantiers importants. Question budget et politique publique. Si budget a mal élaboré, il est mal orienté, il peut créer l'autre problème encore. Véritables outils politiques et l'État, gouvernement en particulier, c'est budget. Alors, il y a un premier ministre avec des ministres qui peuvent le choisir. Il faut aussi des mondes très avisés qui pour gérer situation de crise sociale, crise économique n'a vive là qui a provoqué instabilité politique là. Faut que c'est des monde vraiment qui paraît pour au travail 18h 20h sur 24 et faut tout dans société là nous font petit bilan, nous font dialogue pour nous faciliter la concertation sur la confrontation. Et pour qui ça nous pas arriver à une trêve, à une trêve politique et qui t'a basé sur un dialogue qui arrivait à la mise en place, on t'a capable dit d'un gouvernement que président pour mettre cap inclusif, c'est-à-dire un gouvernement qui préparé pour le mettre divers mondes qui pas de penser même gens qui pas même courant social ou politique et mettez ensemble dans ces yon, mais c'est arrivé faire vivre ensemble pour servir bien-être en population. Mais à côté de ça, on a des voix de l'opposition même qui pas qui dans logique de Rachid Royok. Ça c'est opinion, maintenant il y a des monde qui mandé pour président aller
Nous avons ces droits. Pour demander au président, allez, l'homme demande au président, allez, son souhait. Ou d'où tu as souhaité le démissionner. Mais il n'est pas obligé pour un conseil ça. Et maintenant, est-ce que c'est le meilleur bagaille qui vous fait là? Est-ce que je dis à quelqu'un qui a montré que si M. Jovenel Moïse allait, la situation du pays a amélioré tout de suite? Je ne sais pas, c'est vrai, nous faisons expérience changer le gouvernement de temps en temps. Le président lui symbolise la stabilité de l'État. Moi-même, je ne sais pas quoi aller dans la voie ça. Au contraire, je souhaite que un dialogue qui fait entre les gens qui ont demandé pour aller, les gens qui pas d'accord avec lui, pour nous joindre un accord sur qui gens pour nous faire payer à marcher plus bien. Parce que moi, je suis que les gens qui sont en opposition, qui ont rien et même venu sous pouvoir, c'est parce qu'ils ont aspiré, contribué à changer la situation de la vie du pays. Si je dis à une opportunité pour nous parler avec le président, pour nous mettre d'accord sur un agenda, mettez d'accord sur une composition de gouvernement qui t'a voyé une image de tête ensemble, ça t'a capable de faire pays en pile bien au lieu de nous chita dans une stérile qui a fait nous faire plus bas au lieu de nous faire avant. Et la présidente a besoin de composer ou pas de composer? La composition, c'est une nécessité permanente. Tu vas toujours composer. Le matin, il faut mettre gaz dans la machine pour aller. Qui fait composer, président? Barrer l'autre mission, c'est composé. Composé. États-Unis, on va prendre coup là avec avant ça que passer, pour nous finir. Non, États-Unis, c'est pour un bagage conjoncturel lié. États-Unis, c'est justement un paquet de bagages qui pas marché. D'ailleurs, c'est pas nous-mêmes qui inventé ce concept là. Longtemps, là, c'était époque monarchie. Là, il y a des bagages qui pas marché et puis on a réuni tout le monde et puis il dit bon. Et nous pas d'accord, il n'y a pas de résultat. Comment nous allons consulter les citoyens directement? Mais là, ça, et quantité de monde qui était concerné par une administration, pas tant pile. Ils ont réuni son place publique, puis ils ont opinion. Mais je dis, alors, on parle de 12 millions de monde, il faut qu'on ait l'autre mécanique pour sonder et opinion de monde, tendre ça et penser. Alors, l'État général, il a marché subtilement avant le point vitesse de croiser. C'est ça qui est important. C'est consulter mon sur des questions fondamentales. Grand pile rencontre qui fait avec des secteurs, secteur femmes, secteur artistique, collectivité territoriale. Il y a des forums qui fait déjà dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le nord. Mais pour aller gagner, pour gagner plus d'impact, là, pour arriver dans la plénière, qui pour aller mettre plusieurs mon ensemble pour débattre dans questions fondamentales. Par exemple, est-ce que la constitution nous gagne là, l'y adapter à Jean Pays à pas avancer? Depuis l'existé, est-ce que nous arrivons à appliquer, si nous pas appliquer, pour qui ça? Question vivre ensemble, non? Qui Jean pour nous garantir? Question problème disparité sociale. On parti joindre, on parti pas joindre, on parti mourir grand goût. Faut nous joindre pour nous résoudre problème ça, problème respecter bien moun, problème gouvernance pays. Gon bande de questions fondamentales. Question par exemple stabilité politique là pour tout là vous n'êtes pas bien. Je répète. Question production agricole, par exemple. Longtemps, on dit Haïti, son pays essentiellement agricole. Je dis même si tout on n'a pas acheté, ça veut dire que nous pas un pays agricole encore, puisque nous pas arrivé à produire même 50% de ça n'a pas consommé. Et je dis, le système agriculture a pris un gros coup. Et ou pas besoin aucun agriculteur, je dis, qui a moins que 50 ans, non? Parce que tout le monde qui est plus jeune, il veut chercher une motocyclette ou bien chercher un cobla au Chili, il y a une raison simple. Parce que les gens ont planté, ça prend temps. Récolte qui bon puis vite là, c'est maïs, c'est pois, il prend 3 mois. Moins de gens pour la travailler pendant 3 mois, de qui ça la vivre, de qui ça la manger. Pour, c'est tant de récolte là. Même haïtien ça qui pas fait agriculture dans le pays pour paquet de raisons combinées. Je parle de durée contre la mais l'autre problème tout question de tilopin tilo sauter à droite à gauche là l'elle traverse les frontières là le travail dans ferme agricole l'elle dans l'autre pays là le Chili là le travail dans ferme agricole je dis à fond ouais agriculture à partir d'une approche industrielle si mon n'a un salaire payé par semaine par quinzaine ou par mois l'app travail dans le système agricole là c'est-à-dire que faut changer pratique et État général, c'est mission pour venir avec des idées, une approche de société qui doit corriger ça
fait nous défaut et pour nous adopter l'autre formule qui a fait nous avancer plus bien. Merci à Pierre Levent Sport, après le 105 Premier ministre PIA, où on va diriger tous ensemble. C'est ton plaisir. Pour nous battre bouche ce matin, la mise au point. C'est ton plaisir, m'a salué tous les téléspectateurs. Voilà, notre invité ce matin, l'ancien Premier ministre Levent Sport, c'est avec l'unité fait mise au point ça. Merci tout le monde, tout à suivre nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.